Alors j'écoute actuellement sur France Culture avec Philosophie une série consacrée à l'intelligence artificielle et je voudrais mettre l'accent aujourd'hui sur le hiatus qui peut exister et qui ne fera que se creuser à l'avenir entre le champ astrologique tel que je le définis, qui est un champ qui appartient à l'anthropologie, qui appartient à une histoire extrêmement longue de l'humanité, avec ces nouvelles structures qui existent notamment depuis la fin du XVIIIe siècle, avec les constitutions qui imitent quelque part le système cyclique dont je parle, mais qui ne le respectent pas véritablement, qui en sont une fiction quelque part, parce que les durées ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, le début des mandats ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre, donc c'est une véritable Babel. Et face à cette Babel, qui ne fera que s'accentuer avec toutes sortes d'autres dispositifs qui vont se constituer depuis et qui vont s'aggraver désormais, avec des constructions qui n'auront rien à voir avec le système dont je parle, le système astrologique dont je parle, il y a là un problème d'une cyclicité à deux niveaux, de quelque sorte, avec une forme de schizophrénie qui viendra du fait que d'un côté nous sommes programmés génétiquement par le système astrologique dont je parle. D'autre côté, nous sommes programmés, si on peut dire, nous programmons par des processus artificiels comme ceux de la constitution de tel et tel pays à tel et tel moment, comme la question des frontières, par exemple, qui est aussi quelque chose de totalement artificiel. Et nous avons là une alternance intéressante, puisque en phase équinoxiale, la notion, les artifices sont dépassés, sont abolis, sont suspendus, et en phase solsticiale, parce que justement cette énergie première va faire défaut, eh bien elle sera remplacée par des ersatz, par des succès d'années, comme justement les constitutions, les structures de temps complètement artificielles. Et donc le problème se pose carrément. Parce que il va y avoir des interférences entre ces deux systèmes, entre ces deux niveaux.